Tim Heller, il a pas appuyé sur le bouton pour filmer, on est en train de faire les fonds. Elle m'a fait un clip de 15 secondes cette grosse teub. Bon, regarde, c'était peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Attends, ça ouais. Filme là. Bon, bah oui, bah oui. Là, ça filme. Attends, on va attendre 15 secondes. Là, c'est bon, on est passé à 16. Bon, on vient de se faire niquer la gueule. Là, c'est quand? Voilà. On était en train de dire que c'était un gros bordel. On va faire un petit tour. On va essayer de faire un tour. Regarde un peu tout ce qu'il y a là, ça annonce un peu l'après-midi. Ouais. On a vu des petites idées pour les 10 000 abonnés dans la semaine, mais avec cette cadeau, cette glace et tout, c'est pas réalisable. C'est pas trop réalisable. Ouais, moi je veux pas aller me casser un membre parce que ça glisse. Ouais. Du coup, on va se faire un petit trophée Andros. Ouais, c'est le premier qui casse sa voiture. Il y aura peut-être un petit bonus. Ah, là, celle-là, bah, la tienne, on peut commencer par celle-là. Vas-y. Commencez par celle-là. Là. Elle démarre pas. Tu nous as fait chier pendant environ 40 minutes. Voilà. C'est la job. Minimum. Minimum. Elle va sortir du trou, plus de gasoil, pas de batterie. Pas de elle chiant. A pas démarré encore. Elle a pas démarré encore. Un petit elle peu. A focus à feu feuille. Elle a pas trop fait chier. Elle démarre. Un peu qu'elle a mis les pneus. 3 barres 5, 4 barres. Voilà. Non, ça devrait dériver vu qu'il n'y a pas de frein à main sur celle-ci. Le super tendeur. Ouais, super tendeur. Tiens, mais vous l'avez tendu comme des fous. Comme des fous. Tire le radiateur. Oui, parce que la dernière fois, il faut que t'as reculé là-bas, il y a un caillou de merde. Parce que en ce moment, le terrain, c'est du béton là, avec cette glace. On a préparé ça, on va voir si ça marche aussi. Il y a ça. Ça. On va essayer d'enrouler la fiesta dans le bloc, là-bas au fond. Ouais. Comme ça. Ça la finisse un peu cette fiestouille là. Je vais voir qu'elle se torde devant parce que bon, elle t'a un peu déçue, Non, on l'attend. Dommage à l'Audi 200 à 200 quattro là. Ouais, elle l'a char de guerre qu'on avait essayé à l'époque. Et... c'était une merde, on va essayer avec ça. Ouais. Finir sa vie. On a juste un pneu crevé, on doit arriver à la pousser. Ouais. Elle est pas trop lourde. Ouais, c'est celle, c'est le même système que dans le char de guerre. Sauf qu'il n'y avait pas les poignées dans les. Ah ouais, t'as fait comme ça, Doc. Bon, ouais. Ça serait cool. On verra si ça marche, on verra avant. Bon, moi, 405 Projet X, là, ben, elle a un joint de culasse, sûrement. Parce qu'elle passe toute l'eau, là, et puis dès que j'ouvre, que c'est chaud, ça fait pas pchit. Je pense que c'est un peu dead. Puis, mais là, en fait, j'ai peut-être même démanché une durite en tout à l'heure. Je sais pas, ça recoule tout. Enfin, bref. Et ben, moi, ma 205. Il y a 205 du frérot. C'est une première. C'est la première fois que tu as ça. Ouais, c'est la première fois que je la sors. Peut-être la dernière. Oh. Eh, moi, ça. Ça fuit l'île de partout là. Ça fuit là. Là il y a de la bouse de partout. Là la jauge à huile, et ben c'est pareil, tu vois, ça fuit de partout. Et regarde la trace, c'est mon cardan. Tu sais, l'autre jour, j'avais pété mon cardan. Enfin, le cardan a sauté. Il a fait un trou dans la boîte, mais un truc comme ça. Du coup, en marche arrière, ça fuit l'huile. Bon, beau ça. Ah, c'est bon ça. Donc c'est voilà. Et le trou, il a l'air libre, tu avais pas bouché. Bah non, c'est impossible à reboucher. Ah oui, c'est gros. C'est impossible, mais c'est impossible. Et du coup, tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait plus d'huile. On a fait un petit tour d'essai. Ben, le moteur, il s'est mis à claquer. Alors j'espère que je vais arriver à faire un tour. Ouais, sans avoir tout daubé. Je vais essayer d'y aller doucement, la roder un petit coup. Ok. Bon, on essaye de s'y jeter. Allez. Je vais aller brancher les cams. Je vais aller boire une gorgée de bière d'abord. Ça caille, hein. Je vous fais un petit peu de bière. Mal. On aurait été en Belgique, ça irait bien, mais on n'est pas en Belgique. Bon, ils ont démarré leurs autos. La 306 elle démarre pas toute seule. D'habitude elle marche super bien cette caisse, mais en ce moment ça faisait un bon moment qu'elle avait pas tourné, c'est à peine normal. On a attaché le pack tout aujourd'hui parce que vu qu'on va tous être dans les voitures, ça va être un peu délicat. Oh oh, qu'est-ce qu'il dort? Ça veut pas démarrer. Moi j'espère qu'elle va marcher. Moi je suis bien deg pour ma putain de 405. Du coup je peux plus m'en servir. Faut pas je la laisse démarrer toute seule comme ça parce que du coup elle a un putain de joint de culasse. Elle chauffe, elle perd tout l'eau. Vas-y, ça va passer. Vas-y. Hop. Elle va peut-être démarrer sur le goudron, là. Ouais, c'est Ok, il peut rien.
Ah, il le savait pas. Avec son klaxon qui dépasse sur le pare-choc. C'est la galère, ces voitures à démarrer sur la neige, c'est impossible, chiant, ça merde, chiant. Ça fume. Mais ça s'arrête pas. Vas-y, tu vois, au pire, t'as 205, elle marche pas. Ouais, faudrait pousser à fond là et qu'ils mettent la 2 là, sur le boudon. Vas-y, au pire, je prends sa voiture, j'essaie de. Ah, là c'est bon. Fais attention, des fois ça recule. Remarque, elle doit bien coller. Elle doit être collée. Là, des fois elle bouge, mais bon, c'est quand t'as pas. Ça te dérange d'apparaître ou non? Ah non. Tu... Parce que là je crois que je te. Ok, ça. Frérot, il a pris la 306. Il connaît mieux le terrain, il connaît mieux les zones de gris. Comme ça. On en chie, aujourd'hui. Bah c'est quoi? Il doit y avoir un petit problème. Attends. T'as un démarreur sur cette voiture, putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Putain, mais faut mettre une vraie batterie là. Y'a même pas les loyers. Elle l'a pas démarré tout à l'heure non plus. Elle l'a pas démarré? Non, voilà, on va y arrêter. Bah on va aller chercher une batterie. Putain, merde. Y'en a marre de ces voitures qui démarrent pas. Ça fait 3 heures qu'on galère. Parce qu'il n'y a pas de batterie. Aïe aïe aïe. Je donne une batterie. Je dis vas-y, elle marche bien. Il me dit d'accord, il l'emmène. Et du coup, 2 heures après, il me dit qu'en fait, elle marche pas. Ah mais, Jordi, essayez de la ramener là, au pire. On chie aujourd'hui. C'est là que tu vas me filer? Ouais. Oh, on va venir faire une petite session chez toi, à un moment si t'es chaud. C'est notre sœur, enfin, c'est la mienne, mais celle de mon frère. Et du coup, elle fait de la poterie. Un petit klaxon, tac. Cadeau de la maison. Tac. Oh, merde, toi, t'as failli mourir. Je vais le mettre par là-bas pour le... Oh, panier. Voilà, vous avez pas vu, mais ils ont kiffé, ça veut dire que ça a marché. Mais du coup, c'est notre sœur potière, elle fait des super trucs, elle travaille beaucoup le bois aussi. Salut. Et... Salut, Roxane. Ouais, bien balèze, on ira faire une petite excursion chez et toi. Bah, carrément, vous êtes si chaud. Ouais. Ah, c'est beau, ils vont découvrir des beaux trucs. Nous, on est bien dans la ferraille, mais Roxane maîtrise pas mal tout ce qui est bois, terre, sauf la ferraille. Céramique, sauf la ferraille. À peu près tout sauf la ferraille. Voilà, ça roule. Par contre, on en chie. Aujourd'hui, on chie, mais on se fait. Vous êtes bien vaillants. La batterie! Oh, gibouné, sérieux là, c'est fou! Affreux! Ça va, celui-là il est motivé, le feu feuille il est assez chaud, et le frérot il en peut plus! J'en ai marre de ces voitures aujourd'hui, j'ai déjà fait l'embrayage de la BM ce matin, ça ici. Putain! Vous avez des câbles en rab? En rab. J'ai les miens dans ma voiture. Et ouais. J'en ai à donner, si tu veux, mais c'est des merdes d'Aldi à 10 euros là. Ça me va, moi c'est des trucs à 30 balles. Et... un peu de la merde, tu sais, ces câbles de merde après. Ça fait chier, il y a le point, le jus passe mal, ils ont des. Bah, moi, c'est ça, c'est le jus, on les branche comme il faut, l'autre jour ça a marché, et là. Ouais, je crois que c'est le ouais. On veut du réel. Ouais, grave. Ouais, on regardera ça tout à l'heure. Ils prennent pas bien et le jus passe pas. Et, tac. Si on peut, nos sous-sites. Ouais, on y regardera, pas de soucis. On se caille les couilles. Non, c'est bon. On en chie. Allez, elle va démarrer encore. Pas une équipe, voilà. T'as pas une masse? C'est un caillou. Oui. On l'a quoi? Elle est où l'admission là sur cette merde? Je suis arrivé. Ouais, chercher du Narta, c'est ça que tu penses? Ouais.
pareil. Ouais, je sais pas, on dirait qu'elle se dépure. Il y a des mules là, elles sont en train de passer, vas-y, recommence. Oh, mais c'est pas possible ça! Laisse Dieu en dehors! Et tu veux la démarrer comment dans le terrain sans démarrer? Ah, je sais pas, mais depuis tout à l'heure on s'amusait une demi-heure. On s'amusait une demi-heure comme ça, je sais pas ce qu'il y a là. Ah, vous êtes déjà mis une demi-heure comme ça? On dirait qu'elle se dépure au fur et à mesure. Allez, on va aller chercher une martaf ou quoi? Et bon, de quoi? Les bouchons ils sont trop éteints, j'ai mis tout le gasoil, ça le tire, mais ça le retire dans l'autre sens, ouais, ça met le réservoir en dépression. Comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre ton bazar? Attends. Non mais c'est un truc puissant. Un truc Peugeot là. Là? Des fois ça marche, qu'est-ce que vous faites? Ouais, des fois ça fonctionne, je te jure. Crois-moi. C'est là? Presque on y a cru là. Ça a tenu un peu mieux. Je vois si ça va payer. Mais elle est chiante, hein. Ouais, c'est pas la guerre. Allez. Tout le temps que ça arrive, que ça passe tout à ta couleur. Gasoil combien? Ouais, un quart. Je sais pas, on a remis à moins 5 litres. Ouais. 6 litres. De poire de c'est merde, pas assez peut-être. Ah ouais. Elle est ah ouais, ok. C'est une caillasse. C'est un caillou, elle a gelé quoi. Une poire. Ah non, ça avait même pas un bruit de. Une poire fossilisée. C'est plus un fruit, hein. Croque pas dedans celle-là. Le gasoil il arrive là, il repart par là. Ah non, il arrive là, il passe là, il passe là, il arrive là, il repart par là. Pourquoi les bulles vont dans l'autre sens? Ah, on va aller chercher la soufflette, on va ouvrir le réservoir et puis on va la repurger vite fait. Allez, on la repousse jusqu'à là-bas. C'est reparti. Non. Non, essayez ça. On va essayer de mettre la soufflette avec un chiffon. Purge, en fait. Voilà. On va essayer de mettre la soufflette avec le chiffon dans le réservoir. On va voir ce que ça donne. Et puis, ils vont ramener ce tas de merde là. T'en es content, toi, tas de boue? T'as plus chier. Ah bah allez, c'est bon là. Ouais. Juste aller se coucher. Oh, ouais, on va pas y arriver, je crois. Aïe 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 putain. J'ai même pas eu le temps de faire le rodage à 205. Du coup on avait invité tout le monde en plus. Ouais. On dit, hey, grosse journée, venez. 10 000 abonnés, ouais. Wouhou. Bah. Qu'est-ce qu'on se caille, ouais. Putain, quelle merde. Ah ouais, c'est ouf. Non, c'est abusé. Moi je comprends pas. Tu vois, dès qu'on essaye de faire un truc. Je les défends tout le matin, cet après-midi on s'éclate. Moi je me suis tapé mon embrayage tout le matin. Ça démarre pas, l'autre c'est pour de mort, ça c'est dead. Non, la 205, je sais pas. Il y a encore peut-être une petite chance. T'as vu, on avait tout fait ça bien, on avait accroché le chien et tout. Pour pas qu'il bouge. Je sais pas comment on va faire. Faut qu'on arrive à la démarrer cette voiture là. Ouais.
petit exclu en direct. On a réussi à abîmer la 306 à Jordi. Enfin, c'est faux feuille. On va aller lui dire bravo quand même. Il s'est barré. Bon, mais bravo, feu feuille. Putain, il te l'a mangé là, gros. Il te l'a cassé. Hop là. Ah, tout neuf. Là. On va juste faire sortir ça. Tac, après, on t'aura plus de problème. Ça va, ah, ouais, pas très bien. Oh, mon coco. J'ai tout recassé. Désolé. Ouais, tu verras bien. Je vais te dire bravo, gros. T'as enfin réussi à lui amener son moto là. T'as vu en plus, ça a mis en travers là, par contre. Ah ouais, j'ai pas vu. T'aurais dû filmer. Ah putain, merde. J'étais en regarder ça. Je pense que les pneus ils vont bien comme ça. Ouais. Là, j'ai mis un grand coup de main et. Là, c'est un mon frère. 4 barres. Encore, il va être vide. Normalement, on va commencer à rouler, mon gars. Là, je suis désolé. Bon. Oh, tu sais. Tu pourras t'occuper de la purge là ou quoi? Oui. Purge. J'avais pas eu moi. Du coup, il va mettre la soufflette dans le réservoir. Moi je vais ouvrir ça. Non, non, un moment de regard du gasoil qui arrive par là. Tu souffles? Deux. Non, nada. Il y avait que deux. Ça va y manger une faciale toi mon gars. Bref. Ouais ouais, à fond. Ça change rien. Hein. À fond et même plus là. Bah tiens. Il y a un truc qui. Il y a un truc qui s'est bouché, non? Ouais, tout à l'heure la sortie de la pression c'est de fun. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut ouvrir peut-être. On va aller chercher 8. Ouais. Allez. Je vais tenir ça. If you want tu peux tenir la caméra comme il faut. C'est ça. C'est autre truc là tu veux. Bah ouais mais c'est notre. Chacun sa merde. Non mais c'est cool aussi. Au moins on voit que tu fais des conneries. Ça fait une heure qu'on essaie de démarrer la voiture. Pour la bouse elle va bien normalement. Putain. Putain. Il y a des vidéos. Avec les vidéos qui vont sortir pour une voiture qui n'est pas démarrée. Mais c'est pour les 10 000 abonnés hein. On essaie de faire ça. À 100 000 on a plus aucune voiture qui démarre par terre à mon avis. Faut encore se faire streamer 2-3 je pense. Quelle galère. On va pouvoir la casser au pire. Je voudrais qu'elle fasse de 3 sessions de mieux quand même. Bah ouais. Après, faut des capes bien jour, on va finir. Tous les filles y sont là. Ils vont pas possible ça. Il a ramené les clés le frérot. Hop là. C'est ça moi. Pour la purge. Pour la purge. Je sais pas si ça se dessert déjà. Du travail quoi. Ouais, vas-y. Du vrai travail de pro. Tiens, tu la tiens et tu filmes. Vas-y. Je devrais y arriver peut-être. Tiens, c'est parti. Ouais, il souffle. Ah. Ça fait pas dire et attends l'autre. Rien. Hein. Il y a le contact, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Alors, on voit, c'est sûr que déjà il y a du pétrole dans la main. Vas-y, essaye de démarrer, voir. On va tout ouvrir. Hein. Arrête. Ça fuit? Non, ça fuit même pas, mais. Vas-y, recommence sans accélérer. Ouais, regarde là, c'est pas du gasoil qui sort ça. Vas-y, continue. Il y a un peu de tout là. Ah, bon, on va la rebrancher. Je crois bien qu'il y en a un autre. Que ça. Il y a de l'huile et tout, non? Ben, je sais pas, on dirait un peu d'eau. Un peu de gasoil peut-être dans le fond. Accélère à fond. Mais là, ça vaut moins. C'est un poil mieux là. Vas-y. C'est encore pire qu'avant.
Vous avez pas cette bagnole, pourquoi vous voulez celle-là absolument? C'est la sienne. Essaye de démarrer, vas-y. C'est que c'est la sienne, quoi. C'est vrai que c'est pas trop bien. Vas-y. Ah mais on va arrêter, on va la mettre à... Ah mais on va arrêter là. Vas-y. On va le refermer ce capot. Ah tu vois, regarde, c'est fort de merde. Ouais. À chaque fois quand tu tires trop sur la batterie, elle va même pas redémarrer. Si. Elle redémarrait bien tout à l'heure pour moi. Je débranche peut-être. Ou c'est bon. Oh, hey. Si, elle a redémarré. T'as eu un peu ? C'est quand même pas mauvais. Eh ben oui. Elle est pas mal quand même. Elle est pas mal. Peut-être il faudra femme. Ouais, voilà, il faudra femme. Bon. Et maintenant qu'il y a une bonne batterie en puissance. Ouais, t'as une tord d'un tuyau en dessous. C'est possible. Ouais, il doit être pincé. Je sais pas trop ce qui se passe partout. Il y a tes jambes quand même. Non. Il m'a regardé ses pieds s'il tient la cam. Je vais m'ennuyer après. Elle a pas de tuyau là ? Il en va en avoir. Dès qu'on va se lancer là, on va toutes les casser d'un coup. En vrai, je pense, ça va être content. Je crois qu'elle va finir sa vie aujourd'hui, ça se trouve. Il fait une semaine de marée. Galère aujourd'hui, galère. Secrement. Bon, ta poubelle cachemire, alors on en fait quoi ? On commence à casser. Bon, là, on reviendra un jour, ça sera un autre jour là. C'est samedi aujourd'hui, putain, merde. Allez. Un petit dernier coup, hein. Non mais non, mais derrière un tuyau pincé en dessous, merde. Oh. Il est où? C'est ma faute, étincelle. Et non, c'est qu'elle a pas compris que j'ai enlevé l'abattoir. Ouais, bah y'a un peu de ma faute aussi. On l'a mis de côté, hein, je pense. Bah ouais, on l'a poussé pas loin, mais pas près. Non, franchement, ça m'a perdu là, putain. Il est déjà au moins 4 heures. Ça fait ah ouais, cher. Qu'est-ce que c'est pour une poubelle de 300 cm? C'est cher en fait, t'as dû pincer un tuyau dessous. Là. Faudra la lever. Ouais. Fasse gaffe, il m'écrase lui. Il aura un frein à main, il s'éclaterait. Bon bah désolé Jordi, hein. Il est pas. On essaiera de faire un... Je sais pas, j'essaierai de la rentrer dans le garage, regardez. Mais j'ai regardé un peu dessous, il y a pas l'air d'avoir tuyau de pincé. Ah. Si ça se trouve, tu sais quoi? Elle a de l'eau dans le filtre, il est gelé l'eau. Vu que ça caille, tous les trucs qui démarrent pas, ton kangou c'est pareil. C'est pour ça. Ouais, c'est parce que c'est gelé. Vas-y. Bon, on aurait galéré à une heure là-dessus pour rien. Voilà. Pas grave, au moins ça montre qu'on est motivé. On sort le chalumeau, tu sais quoi, on est fou dessus. Et au moins elle va démarrer parce qu'elle sera ouais, mais là c'est 4 heures après, on va rien faire. Non, bon, mais on y va. Garer, elle va se faire enculer. Bon, allez. Le con. Ouais. Par dépit, tu sais. Ah, attends, je sais pas. Alors celle-là, elle démarre quand même vachement mieux. Hein. Après 3 heures de pinaille. Oh, ça fume, putain. Moi, ici, elle fait les vielles, hein, écoute. Ah ouais, ah ça ouais. Doit être ça, putain. Ah ouais. Et ça fait bizarre, non? Ça claquouille, hein? Ça claquouille! Lequel des deux? Parce que la boîte elle est morte, le moteur il va pas être trop mort, je casse lequel là, en premier. On lance les paris! Moi je balance le moteur. Tapez 1 si vous croyez que c'est le moteur, tapez 2 si vous croyez que c'est les vielles! Voilà! Vous gagnerez peut-être la pièce cassée si vous avez bien répondu! N'oubliez pas de marquer votre adresse! Ah, on a trouvé la commentatrice! La proc.
Oh là. Non mais le con. Mais qu'est-ce que... Moi, j'ai jamais filmé de ma vie. C'est tout nouveau. N'oubliez pas de taper 1 si c'est le moteur et de taper 2 si vous croyez que c'est les vielles qui vont casser première. Alors moi c'est l'endroit des arrêts échecs. Attention. Quand je tourne là, ça va. Oui. Mais quand je tourne de l'autre côté. Ah non. Non, c'est quand je tourne de l'autre côté, ça va. Et quand je tourne de ce côté. Il devient dur, volant. Alors, des fois, ça revient pas. Ça fait les biscottos. Joli.
moins une. Eh, c'était chaud là. Vous sentez pas, mais moi j'ai une espèce d'odeur de merde là. C'est toi l'odeur de merde ? Ça doit être de l'huile avec un peu tout ce qui traîne dans le moteur. Ok, de l'huile avec un peu de tout ce qui traîne dans le moteur. Bah ça pue. Hein. C'est la tienne qui pue, non? Oh, wow, c'est tout de la fête. Ouais. Attention. Ma pété me rétro. Tapez 3 si c'est la boîte. Aïe mon frère, 10 000 abonnés, on leur présente quoi, une 205 de merde. Désabonnez-vous. L'artisterie sur YouTube, merde. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous, ça fait trop de mal. Ou alors, j'espère que vous allez être tout bien, gros.
une magnifique 205. Elle doit avoir chaud. Elle doit avoir chaud. Voiture, pardon. Oh, oh là 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 là. Oh là. Tapez 4 si c'est le radiateur. Attention, ils ont pas de frein. Et en plus, on continue de courir. Ramasse à deux. Ramasse ta bagnole. Il laisse la porte ouverte. Ça passe. Bon, eh ben, elle avait qu'à pas m'emmerder. À peine. Moi, mon problème, c'est pas que ça pisse, c'est que ça a tordu le truc d'embrayage. Alors. Oh. Ah, si. Il manque un truc là quand même, hein, non c'est... Ce qu'il y a, c'est que j'ai plus trop d'embrayage. Ah, va finir en stock car. C'est quoi ce fil? Ça, c'est juste pour les ventilos. Ah, ça oui, sert à rien. Je vais aller chercher une baramine. Ok. Ah, elle a bien mangé dans le mur. Je croyais que je devais l'essayer celle-là avant. Tu veux partir arroser les plantes? Oui, je croyais, je suis con, je me disais putain, elle marche bien, elle chauffe plus. En fait, il y a tellement plus d'eau qu'elle sait même pas qu'elle est à 400 degrés. Du coup, elle démarre plus. En fait, c'est pour voir là. C'est pas tout là. Des conditions optimales pour des mécaniciens. Est-ce que ça réchauffe au moins? Ah, j'ai les doigts, ils sont roses. C'est dangereux ici. Regarde le tuto liquide de refroidissement. Donc voilà, si vous ne saviez pas où fallait mettre l'eau dans votre moteur... Ouais, c'est là. N'en mettez pas. Ah, désolé, dans tes pieds. Ouais, n'en mettez pas. Tac. Ouais, on va peut-être redémarrer. Ça refaire tout. Là, 405. Oh putain, on a loupé un truc là, je crois. Ouais. Putain, il y avait la GoPro dessus là. Il y avait la GoPro qui filmait dessus. Ouais. Bon, elle est pas loupée pour tout le monde. J'ai les doigts qui vont bientôt mourir. Je suis en train de crever aussi. D'orteil, j'ai plus rage. Ça l'a échappé. La boîte, elle était déjà pas bien belle, la boîte. Putain, ça fait déjà tout ce coup. Putain, vous êtes passé quand j'étais parti, je suis chier. J'arrivais trop vite aussi. Regarde, c'est l'air des creux. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Quel pare-choc. Il en manque un bout, ouais. On est retourné dans la mécanique ou non? Tapez 7 si vous pensez que c'est la batterie. C'est juste, je vais la raccrocher. Tapez 18 si vous pensez que cette voiture est vraiment en très mauvais état. Oh putain, eh ben on va avoir des milliers de commentaires. 4,25, 18, 8, 32. Avec les adresses de la batterie, c'est un peu lourd, on l'enverra pas. La batterie.
tu sais, si celui qui gagne, et ben, ah, ouais. Pour les trucs qu'il perd, tu lui envoies la pièce cassée, quoi. Une batterie, ça s'envoie à la poste. Que... Bon, moi, ce qui est bien, n'empêche, c'est que j'ai une bielle qui doit être en train de se faire un peu la malle, je suppose. Elle a envie de partir à Tahiti. Au Brésil. La boîte est morte. Brésil. Non, c'est... Australie. Ah non, pas encore. Oh, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu connais pas ça? Non, j'ai pas la ref. Tu connais pas la pub du loto? C'est bon. C'est bon. Ouais, peut-être. Tac. Écoute, allez, le bruit. Avec la couille. Avec la couille. C'est quoi ça? Ça c'est le diffuseur pas du tout, qui tapait dans le mur. On lui casse le moteur. En direct. Allez, on vient. Ah non, Marc. Oh putain, j'ai plus de batterie. Je peux m'en servir. Ouais, mais non. T'as remis de l'huile là tout à l'heure. Ouais, mais non, mais ça l'a baisé. Faut juste pas qu'accélère trop fort, faut peut-être m'en servir. Hein. Ça vaut peut-être le coup de la garder, on en a d'autres des poubelles au pire. Ah là, c'est une poubelle maintenant. C'est une 205. Hein. Tu me poses là-bas? Allez. Hop. Je vais peut-être aller à l'arrière à ce moment. Ouais. Comme ça, elle sera bien. Je vais peut-être aller à l'arrière. Ouais, attends, je vais faire un truc encore plus tight. Tiens là. Vas-y! Ouais, ça va pas marcher. Bon. Ça cracote la buscotte, ça va te faire un peu, non? Ouais, c'est un peu mort. C'est un peu mort. Il a roulé sans huile, c'est dead. C'est dead mort. Je vais aller changer la batterie de la GoPro. Ouais. Je viens faire un petit tour de la Ford à feuille. Il est bien content aujourd'hui, il a gonflé les pneus dedans, ça marche bien. Du coup, il l'abat, il vient un peu dans tous les sens. Il lui a arraché le rétro, parce qu'il tenait plus. Là, il a arraché un peu tout le devant. Un peu comme moi sur l'Audi, sauf que là, il n'y a pas l'intercooler. C'est mieux. Là, il l'a maquillé, il l'a décoré. Ça, c'était de l'autre fois. Et un petit coup dans le pare-choc, là. Bah, ça va, elle est encore belle. Elle est quand même vachement trop neuve. Elle est encore belle? Trop neuve? Un peu trop, oui. Mais... Ah, la tienne, elle est trop vieille en tout cas. Non, mais c'est un peu. On lui passe un coup de chalumeau, ça sent, on l'aurait rentré dans le garage, elle aurait redémarré là. Avec un petit coup de chalumeau. Bon, la 405, c'est bien, assez compliqué. Elle tient pas longtemps, elle perd toute son eau, ça se trouve, j'ai craqué une du rideau, faudra que j'y regarde, mais là, j'ai pas le temps, je flemme. Tu vois bien que j'ai pas le temps. Du coup, on va s'essayer la Fiesta. On va essayer de la faire finir là-bas dans le cube, sous l'Audi qui est tout là-bas. Donc on va voir ce que ça donne avant qu'il fasse nuit. Parce qu'aujourd'hui ça avait été bien une journée galère plus qu'une journée. Enfin non. Non bon. Ça va, c'est cool, ça se passe bien. Alors, voilà. Ah ouais, ça doit être trop bon. J'ai un snowboard mais j'ai pas de ski. J'aime pas le ski. Puis j'aime plus le snowboard. Au moins des skis pourris, je le fais, moi. On pourrait pas les fermer dans la voiture un peu. On va aller poser la canne. Bon, du coup, on a réussi à se chauffer, enfin. On va la démonter, cette Fiesta, je te le dis. On va la cartonner. On en a chié, ça. Ouais, toi, tu t'es bien éclaté. Moi, je me suis bien. Ça glisse bien, on va peut-être bien refaire un tour après. Ah oui. Par contre, les moi, cams... Moi, c'est sûr, j'en refais un tour. Ouais. Je sais pas, les cams, faudrait qu'on... J'aurais dû la foutre celle dans l'arbre là-bas là. Ouais, je pense qu'il vaudrait mieux faire des plans d'un goût, tu sais, des gros virages. Ouais. Comme ouais. Ça, tu sais, là où comme les endroits vraiment. Voilà. Et vas-y, du coup, t'en aurais mis une là-bas, une au fond, tu sais, même sur trépied. Ouais. Je pense que du coup, bah, ça aurait fait tes plans. Ouais. Juste, t'aurais pu jouer avec les séquences de. Ouais, on va en remettre dans les arbres. Bientôt. On va en préparer des trucs dans les arbres. Pas de on va faire comme ça, elle sera bien belle. Qu'est-ce t'en dis? Ça peut être pas trop mal. Ça va peut-être la secouer un peu, non? Ouais. Et si tu la mettais plus sur le toit de l'Audi? Voilà, on sera plus près de l'action. Plus près de l'action? Plus près. D'accord. Même. Moi, je te... Tu me pousses à faire des abus. Bah ouais. Dis-toi que ça se trouve, je pense qu'elle bougera moins, peut-être. Ok, ça va être de l'enculé, la caméra. Non, ça bouge pas, ça, en vrai. On l'a bien tassé, l'autre fois. L'autre fois, il a pas bougé, déjà.
Bon, je vais y allumer tout de suite. T'as vu? C'est là où je... ça a été tout droit. Ça mange le feu failli. Bah oui, forcément. Ça glisse affreux. Ouais, si je la mets par terre, il y a quelqu'un qui va y rouler dessus. Je parle de moi, bien sûr. Ouais. C'est pas le plus malin. Faut y mettre un petit piqué devant alors. Si tu la mets là, tu mets un petit piqué en bois. C'est pour que les gens voient le petit piqué en bois. Oui, regarde, hop. Ouais, voilà, c'est déjà beaucoup moins dangereux d'un coup. Il y aura un autre sous-seuil, personne n'y roulera dessus. On va l'arrêter parce qu'il y a 40 minutes. Tac, allez, go. Et surtout à 3, ça va encore plus vite. Y a pas de tauvrin sur ta forme. Ouais, bah là, elle est bien. Ah, regarde, on va pas forcer. Ou si, on force. Bon, bah, on force pas. On va voir si on force pas. Bah, c'est bien, du coup, on va se la jouer en full Ford. On le dit. Ah, ouais, full Ford. Une Ford qui est. Bah, Dieu, tu veux pas conduire, je veux pas focus, du coup. Vas-y. Tu me l'exploses pas, hein. Et tu m'exploses pas ma focus, hein. Faut bien que tu y penses à ça, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, tu me garantis un U36, s'il te plaît. Je vais en prendre soin de ton pot. Fais attention. On va juste essayer de voir si c'est contrôlable d'abord. Ouais, si c'est contrôlable, mais normalement, ouais. Et vous mettez une caméra bloquée sur le truc ou quoi? Une caméra qui est dessus direct. Non, je porte pas. Non, il y a un mec qui est dessus quoi. Ouais, t'as raison. Allez, s'il vous plaît, mettre en face. Impeccable. Et t'as la radio? Ceci est un essai. Attends, ah oui, vous le retendre. Attends, ça vient. Attends, on enlève la sangle de partir. Il y a deux petits problèmes. Ouais, mais on va. Je sais pas quelle vidéo. Faut pas qu'on se rate. Moi j'aurais dit celle-là, on la passe par ma fenêtre par ce volant. Non, moi je pense que ça sera bien. Mais on va faire un petit test. Ah mais bah ouais, non, t'as raison. C'est vrai que ça serait beau vu du toit. Ouais, tu vois, vous êtes ici, on est toujours en train de entendre plus loin. Ouais, mais il suffit qu'on se rate et que ça arrive un peu trop fort. Ouais, bah tu me montes dessus. Ouais, sur par cette fenêtre. Y'a pas de frein. Ah, en filmant par la fenêtre. Ouais, en filmant sur par la fenêtre, soit sur le toit. Ah, par la fenêtre à la limite. Par la fenêtre, ouais, si tu veux, tu montes derrière. Après, je sais pas trop comment ça va se passer là-bas alors. Ouais, par la fenêtre à la limite. Tu veux, tu veux. Ouais. Tac. Ouais, ça va le faire, hein. Ouais. Vas-y, on enlève les sangles, hop, et on essaye en vrai. Là, on essayait pour de faux. Attends, recule un peu parce que j'ai pas confiance dans cette merde. Avec le frein à main de merde, là, j'ai une marque. Bon, on a pour les 10 000 abonnés, on a trouvé une voiture qui marchait pas du coup. Au moins, elle est pas prête de marcher. Merci, Fafeuille. Bah, c'est bon, désolé. Non, mais c'est pas ça. Merci de nous avoir trouvé la voiture. Ah, bah oui. La seule qui marche pas, au moins. Allez, on va l'emmener là-bas au fond. Et puis, on va l'emmener à fond. Casse pas le radiateur. Elle va bien mon auto. Putain, c'est clean. Ah, c'est
Ouais. Parce qu'il doit le décaler pour mettre le cul. Ouais, ouais. Ça, c'est les prévisions en plus. Tout s'est calculé. Allez. Attention, action. Plan 4.1.12. Moteur, ça tourne. Éclairage. Action. Ouais, bah tiens-toi bien. Au pire, rentre. Non, mais sors pas trop, rentre au dernier moment. Vas-y. Attends, je me mets bien. Attends. Alors, tac, tac. C'est bon ? Oui, oui, oui. Ouais. C'est pour ça que je t'ai guidé par là, là. Allez, plein de balles, c'est allez, bon. Allez, accélère. Ah, bah, tu veux la tenir ? Non, mais c'est pas possible, mon frère, on peut pas. Allez, accélère. Relâche à peine, relâche à peine. Tu l'as fait briller, là, là. Voilà. Mais non, rien. C'est trop costaud mon truc. Ouais, c'est qu'il y a point de grippe et puis ouais. On va repartir de là-bas, mais on va le refaire mieux. C'est chiant quand même. Elle a plus tapé dans l'Audi que dans le cul. C'est chiant. Ouais, c'est chiant, t'as vu. Un petit caillou là. Oh, puis elle démarre bien, t'as vu. Oui, elle démarre bien. Puis. Elle l'a tapé, mais c'était pas. Non, c'était pas ouf, mais bon, Kevin au début il a pas trop voulu accélérer. On essaye de se la reculer à trois. Oh, t'as qu'il va pas vous l'attraper. Bon, ce coup-ci on se la refaire bien. Ouais. C'est tout ça notre test. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment que. Ouais, là c'est bon gros. Nickel. Faut vraiment que pas qu'elle dérive quoi. Ouais, t'as envie de conduire ? Bah je conduis celle-là déjà, moi ça me va, j'ai déjà essayé une fois. Mais quoi déjà, pas donc toi. Ah, on aurait pu prendre vachement plus de vitesse, mais bon on va arrêter. Non, on marche la porte. Essai en tout cas. Action. Vous êtes prêts? Ouais. Allez. À fond. À fond. Ah voilà, elle a mangé mon copain. La GoPro elle s'est envolée non? Ah, mais je croyais que ça bougeait pas le bloc. Bah il a un peu bougé mais pas de beaucoup quoi, ça va. Elle a peut-être déjà quand même filmé l'action. C'est une GoPro pour filmer une GoPro 8. Salut 3. Regarde moi ça. C'est une 7 moi. Regarde la GoPro 8. Ah bah. Et ben ça a tout arraché. Ah bah, oh ouais. Ça a arraché le truc de la canne. Ah nickel. Bon bah la GoPro 8 j'allais cracher dessus. Ah, et en fait elle est sur les doigts. Ouais, ça va, c'est juste le truc. C'est le truc de la canne que ça arrache. Oh, le truc de la canne à papa. C'est la ficelle qui a tapé. C'est quand t'as lâché la ficelle, ça a tout arraché. Ah, ouais, putain de wow. Putain. Tu dois avoir de l'animal. Bon, elle est tordue ou pas? C'était belle là. Ouais, ça l'a bougé. Ah oui. Et ça a bien plié là-bas. C'est ça qui est cassé. Ouais mais ça du coup c'est cool pour la main du coup. Tac. Oui, pour la main aussi. Bon, tout roule. Bon, elle est bien pliée. J'ai arrêté celle-là gros aussi. Mais elle a la volée. Regarde les dégâts. Bon.
T'en as un peu reculé. Comme neuf. Il y a point de dégâts. Attends. Donc j'ai passé un coup de refaite. Le point de vue d'en fait, trop mal. Ça, ils ont pas entendu, chute. J'ai pas, non mais ouais, en fait non, je crois que ça... Ça fait chier. J'ai jamais arrivé à prendre de la vitesse. Ah et oui. Bah oui, c'est tout gelé. Et oui. Bon, tu sais quoi? On va attendre que ça dégèle. On va finir sur une bonne note. Voilà. Elle a bien mangé son poteau. Regarde sa petite tête, il est tout content. Pour le moment, elle est là. C'est un jeu vidéo, sérieux. Et la prochaine fois, quand il fera plus chaud, eh ben on va l'enculer, sa mère. On va finir d'être un truc. Là, elle va te plier devant et derrière, elle va finir comme la 106. Empilée sur son petit piédestal. Et puis, ça sera la fiesta de la Lulu. Et elle aura duré 3 jours, on aura des bons souvenirs. Et au moins, elle aura marave après. Ah oui. En fait, c'est la corde qui tenait à droite, je l'ai vu faire. Bon, bah au moins les cordes, bah ça aurait marché cette fois-ci. Je suis désolé. Je suis content la dernière fois que Claudie te rappelle comment on en avait chez lui. Galère. On verra mieux qu'est-ce qu'elle fait. Bon, j'ai passé dans petit gel dans le sang, moi je crois. Il me manque une petite bière ou deux. Ah. Il manque, on est notre marque. On va essayer de faire notre marque de bière pour savoir. Bah non, enfin, c'est pas Kevin qui veut ça. Non, non, mais c'est pas toi. Ah, bah oui, non, mais c'est surtout toi. C'est oui. Moi qui. Non, mais c'est toi qui l'as dit, mais du coup, moi, je suis chaud. Hein. C'est mais c'est vrai, c'est toi. Je suis chaud avec toi, t'inquiète. Chaud, hein. On est chaud tous les deux, y'a pas de soucis. Bon, allez. Attends, je suis sorti par là. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, mais c'est celle de droite qui tenait. Ouais, je sais pas, on verra bien. À droite, j'ai vu, c'est la deuxième. La première est passée, la deuxième. On a un peu de mal à prendre la vitesse, il n'y a pas trop de grippe. La GoPro, elle a volé là. Ouais, c'était pas mal. Regarde, elle est rouge. Vas-y, cool. Merci pour les pièces détachées. Les pièces détachées. Cool, elle a volé. Je kiffe qu'elle rigole pas mal, ça fait des belles détachées. Ouais, bon. Il n'y a pas de casque. Ah bah ouais, on va aller. Ça peut pas. Là, ça doit être un peu solide. Ah, ça tient, putain, c'est ouf, ça tient encore ça. T'as vu ce qui s'est passé avant? Dans le garage. Si, tu tenais la cam, en fait, dès que le frérot il a lâché les ficelles de conduction, de conducteur, et ben ça a tout emmené. Je sais pas comment, il y a eu un retour, ça a dû faire un nœud, ça a tout emmené, ça l'a même cassé, donc tu vois, ça a bien pris quand même. Il l'a pas échappé, le gars. Non, mais c'était cool, c'était pas mal. On referait ça sur du sec, il y aurait bien du grip, ça serait. Je pense qu'il y a moyen de l'exploser. J'ai une idée, les gars. Oh, c'est ça là, à peine décoré. Je vois quand t'as ton rappel, mais normalement, c'est qu'il n'y a plus de gavotte. Joe, je préfère un troisième aussi, tu le vends dans le lac. Et ouais, mais le lac, en fait, c'est de l'eau. Et l'eau avec l'huile. Si on saute dedans, le mute, on le fera en 85. Ouais. Ou en vélo. Mais avec une voiture, c'est pas. Sur la glace, ça peut être marrant. Vas-y, sur la glace, toi, ça sera marrant. Fais voir qui c'est qui est capable d'y monter dessus. Qui est capable de marcher sur la glace? Ah, c'était pas ça du tout mon idée en plus à la base, je vois c'est ouh. Ah, y'en a pas eu. Un vrai petit ninja! Ding dong, ding dong! Un crabe! Faut faire un crabe sur la glace! Eh ouais! Moi j'y suis passé! Ah, mais Joe, faut y balancer une voiture dessus! Même la fiestouille là! Faut venir en quad! Moi je suis pas téméraire. Tu sais quand il y avait l'ancien étang avec Pierrot là, c'était rond. On est arrivé en quad une fois, c'était gelé comme ça, ça allait. Arrête de... On sortait au bout. T'as de la chance. T'as, c'est solide quand même. C'est solide quand même. Elle est bien solide. L'eau elle a commencé à rentrer. Restez là, moi j'enlève. Ouais, ils sont partis. Sur le ventre ça passe. Sur le ventre ça passe, ça c'est sûr. Non, franchement, il y en a un qui court là, à fond, et il atterrit de l'autre côté sur le banc. Allez, vas-y, moi je vais faire le tir. Bouge pas, j'arrive. Ça me fout. Ça me fout. Ça glisse pas, c'est bon. Faut y repasser plusieurs fois, je pense. Ça arrive. Ça va pas assez lisse. Elle est pas assez lisse. T'es fou, c'est granuleux comme tout. Ouais, mais si tu passes plusieurs fois, tu. Oui. T'as calé la poli. Ouais, tu vas pouvoir m'entendre. T'as tout fendu, mon vieux. T'as sauté comme un gros lard. Ouais. Je suis écrasé, ouais. Je crois que j'ai eu pas assez. Ouais, je sais pas, c'est pas top. Sur les pieds, ça va être pire. Ouais. Oh, ah ouais, avec ça, j'aurais dû sortir la planche. Alors, qu'est-ce que t'as rangé, Feufeuille, alors? Ben, ça. Oui, la brouette, elle a remonté un peu d'un cran. Oui, il me semble. Ça l'a peut-être un peu plié, ta brouette.
Vous en avez rangé après, non? Non, non. Enfin, moi, j'ai rien touché. Ça fait ranger. Moi, j'ai rien touché. Ça, c'est... Mais t'es dit que vous en aviez rangé? Même pas. Oui. Dis donc. Ça, c'est... Hop. Ni vu ni connu. C'est rangé. Dis donc, t'as vu la place que ça fait? Merci, gros. Non, ouais, pas de soucis, mon gars. À un moment où lui penser, non, n'est pas. Sur ce rangé, pour rangement, si tu veux. Y'a pas de soucis. C'est Kevin, une fois, avec Kevin. Et la golf à Roxane, il y avait le hangar derrière. Une fois, on a rangé tout le hangar. Avec ma golf ouais. Tu te rappelles pas? Non, on a mangé le pilier, tu sais, le truc, il y a trois piliers, on a mangé un. Elle roule bien, ta voiture, gros. Elle roule bien. Elle roule bien. C'est rigolo. Rip le frigo. Rip. Ouais. C'est à qui ça? Désolé. Bah, c'est à toi. Ça fait deux feux. Possible que ce soit à moi. Ouais. On va aller voir. Et ben voilà. Bon bah c'était pas trop mal. Ouais, je pense qu'avec du grip là, l'auto. Là, mais faudrait qu'on tienne une corde chacun. Et puis il faut. Non, faudrait que je tienne les deux, mais il faudrait avoir du grip pour les roues arrière en fait. Faudrait un tour ouvrant, tu sais. Ouais. Comme un tour ouvrant. Un tour ouvrant, c'était top. Faut prendre le 530. Ouais. Le 530, mais le 530, ce qu'il y a, c'est que là, quand il avance, t'arrives à 60, tu finis. Avec le 530, ouais, t'arrives là, t'arrives à 60, ouais, tu finis. Comme bon. Kevin avec la golf. Comme la golf. Merci pour tous vos points de vue, c'était. Bah ouais, nickel. Merci pour les abonnés. On est encore, on fait ça pour les 10 000, on est à je sais pas combien. Ouais, on vient juste de finir pour les 10 000. Ouais, c'était pas ça. Une petite reconversion de dernière minute. Bon, c'est cool. Hein. On a envoyé le colis pour les 500 il y a 3 jours. Donc, c'est que ça va vite, on est un petit peu dépassé. Il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Ouais, 5 jours peut-être, je sais pas. Ouais, bah voilà, ouais. En gros, on a merci à tous. Ouais. C'est trop cool. C'est de la patate. N'hésitez pas à vous abonner, bah ouais. Et puis liker et partager. Ouais, voilà. Tout ça. Et puis. Tout liker. Non, bah c'est cool. Et puis avec les commentaires de la sœur, normalement, ils vont rigoler aussi. On ira faire une petite vidéo pour la découvrir. On va faire du détails. Live avec toi, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'on parle toujours tous les deux en même temps, ouais. Donc ils doivent rien comprendre. Bonne soirée à tous. Allez. Ah, c'est moi, désolé. Je laisse les vitesses parce qu'il n'y a pas de. T'es parti faire un petit tour. Toutes les fêtes, mon vieux. Et ouais, c'était pour les cordes. T'es parti faire un petit tour. Avec le moto du CP. Ça veut pas tomber. Et ouais. Putain, elle dérive. Il a pas de frein, hein, le gars. Par contre, son auto, elle dérive. C'est chiant. Quelle est pelleteuse, lui, il est chaud. Il est très très chaud. Ouais, ça glisse vraiment, du coup, c'est cool pour la focus. Hey. Et quand tu tires un masque, même pas appelé partir. Voilà. Ah, t'as compris? Ouais, mais tu sais, des fois, dès qu'elle est presque en. Ça va bien. Tu la gères bien pour voir que c'est pas facile. Mais regarde-le. Regarde-le si ça part pas le derrière. Et la poule. Ah bah elle va se pousser. Regarde-le. La poule. Non. Je crois que la poule elle a failli prendre cher. C'est bon, putain, j'ai chier cette poule. Ça a failli faire un chicken wing. Attends. Chef. Oh là, c'est passé. Ça caille devant. Putain, t'es rien mort.
Ouais, faut l'acheter. Tu la prends, tu y vais. Ouais, t'as avec de la connerie. La collègue, bon, allez, moi je retourne en mode collègue. Je me ramasse s'il y a un obstacle trop dur. Voilà. Wow. Joli. Ça passe bien le feu feuille, putain. On aurait dû mettre des caméras dans les arbres. Ça aurait été cool. Ça va bien. Bon, pour cette semaine, on fout des trucs dans les arbres, là, de partout, comme ça. Vas-y. Ça sera bien pour les sessions. Dernier tour, et puis après, j'arrête. Allez, avant de la casser. Il veut monter urdi, hein. Non. Avant de... Peut-être un petit problème de radiateur, de pare-choc et de je sais pas trop quoi. Ça passe bien. Un peu le triangle aussi, je pense. Mais non, ça marche bien. Arrêtez de parler de ma voiture comme ça. Les graves, ils inventent des problèmes où il n'y en a pas. C'est vrai qu'on dirait un peu qu'il y a le radiateur qui traîne par terre. Oui, bon, bah... C'est pas un souci. Bon, ça y est, avant. That is not a problem. Tu vois, je te... Je te traîne de dehors juste pour la dernière. Comme tu veux. Ouais, je te... T'arrêtes là-bas, peut-être, du coup. Ouais, vas-y. Un demi-tour, je te prends 2-3 passages. Vas-y. Bah, juste un seul, déjà, parce que... Ah, ouais, enfin, oui. Ouais, mais même là, vas-y, si tu veux, comme ça. Là, si tu veux reculer, après, moi, je... Vas-y, je vais te prendre là-bas. Faut le mettre en valeur, c'est au focus, maintenant que... Et là ah, c'était pas top. Bah, je vais le prendre en vidéo, parce que ça focus, il arrive à en faire quelque chose, alors qu'il n'y a pas de frein à main et tout. Tu prends le début ? Ouais. Je prends la fin. Ah ouais, moi je cours à fond. Là. Et il arrive à la faire partir hein, pour voir qu'il n'y a pas de frein à main. Grave. Toi, ouais, il s'en émerde. Ouais, c'est une patinoire en plus. Grave. Elle s'est fait mieux quand il est arrivé de là-bas. Là, c'est fort, c'est fort. Il embroye des petits bouts passés par là. Oh, petit frein à main. Mais tiens. Il traîne par terre ? Bah non, mais il y a plus ça devant. Il n'y a plus de pare-choc pour rien pour protéger. Non, on remettra un tube entre les deux tuyaux. Je sens qu'il va nous en refaire une. On l'arrête plus! Ça glisse, hein? Bon. Je sais pas où on va l'arranger. Oh là là! Ça va? Oui, ça aurait pu être pire. Bon, là. Tu veux faire quoi? Tu veux la garer? Ouais. Faire un petit tour d'entrepôt. Vas-y. Un petit tour d'entrepôt, il me dit. On va les voir. On va l'intercepter. Peut-être, je sais pas si je suis trop con ou trop chaud, lui courir après. J'espère que ça va rendre bien parce que... Boutin. Jambes VS voiture. Bien, ça suit pas, c'est normal. Ah bon, bah, on a bien trippé. C'était un petit bonus feu-feuille. Il revient encore. Pour terminer cet après-midi, ce beau samedi après-midi. Tant attendu. Ah, ça dérive. Joli! Ça passe au poil, hein?
Et il kiffe. Normal. La patate. Hop là. Bon les amis, merci à vous pour tout ce que tout votre soutien, tous vos commentaires. Nous on continue notre petit bordel. On kiffe. J'espère que vous c'est pareil. On va faire quelque chose de bien. Allez, tchuss les amis. À pulse. Le frérot il est chaud ce soir. Yo mon frère, t'es chaud. On voit pas grand chose. Ah. Bah du coup on faisait faire un petit point, je pense, de la jante. Ouais, t'en vois rien. Bah ouais. Un petit point de la jante. Moi, attends. Il y en a pas un de vous deux qui aurait un petit flash? Bah moi j'ai rien du tout. Non. Attends. Les gars, faites un petit effort, un téléphone, un truc. Comme ça je filme une belle jante qui se marre. Ah ouais, après j'aimerais que tu me démarres la... tu me pousses la 405. Et... je t'en donne du travail à cette heure-là, mon copain. Ah, on est bien alors. Ferro, il essaye son auto. Oh, le truc de poire. Juste monter sur le coffre si tu peux faire un petit rond gentil. Si tu le fais en direction de. Tu tournes à gauche quoi, comme ça si je tombe. Bah au pire, tu sais. Bah, non, mais je vais pas tomber. Tu... regarde. Ah, oh, remarque. Rentre dans le coffre. Ça glisse trop. Mets-toi dans le coffre carrément, sinon moi je ne pas ça. Ah ouais, t'as raison. Tu le mets à lier dans ton coffre. Une marche arrière, s'il te plaît, ben, j'aime pas trop le temps. Ok, plus il accélère, plus il s'enterre. Ah, t'as une plus tu accélères, plus tu t'enterres. Il a dit. Bon. Mais je te crois, gros. J'arrive. Oh oui. Vas-y, marche avant. Gros, ça te dit, on pose tous les deux. C'est une jante. Ah, t'as une GoPro pas? Ouais. Tu filmes au mauvais endroit, je te dis depuis tout à l'heure, t'as une GoPro pas? Il est en train de lui le faire. Tu me voulais le feu d'artifice des villes où tu mets la volée. Le frérot, il a rebaptisé le 530. Comment chercher là-bas vers le hangar? Là, il t'avance. Va le chercher vite, vite, vite. Ils arrivent. Allez les pompiers là. Allez, le John. Ah. On va se le faire en entier. Ah. Bon. Ben. T'as failli faire ça les 150. Petit problème de train, j'allais dire. Ouais, ben, ça pue ces 5. C'était pas trop mal.
Bon, le Jolaz, il a fait sa petite artisterie du soir. J'avais déjà vu. Oh, cool, merde. Oh. On avait quelques extincteurs qui traînaient. Ah ouais, mais même de loin, ça c'est comme les gazos, cette merde. On peut dire que ça fera un petit bonus pour les 10 000 abonnés. Allez les gars, kiffez bien.